Salut téléspectateurs, bienvenue à l'édition Télescopie, nous, dernière édition pour Anessa. On a parlé d'un programme bien précis qui visait une population bien précise. Et la population, ça m'a parlé de monde qui a un statut réfugié ou bien asilé. Eh bien, il y a des services, il y a des programmes qui existaient pour supporter nous-mêmes seulement. Donc, aujourd'hui, édition Télescopie, ça, il y a trois invités qui pourraient aider nous comprendre le programme, ça, puis bien. Comprendre quelle qualité service que lui offre, quelle qualité avantage que lui ba nous, particulièrement si nous avons un statut, encore une fois, réfugié ou bien asilé. Donc, mon panel aujourd'hui, hein, c'est Guy Gérard Gachelin, qui travaille dans International Rescue Committee, Karine Auguste, qui travaille dans Centla, et puis Pierre-Richard Yacinthe, qui travaille dans Azure College. C'est vrai? Oui, vrai. Très bien. Donc, bienvenue. Merci que vous avez accepté l'invitation. Merci. Merci. Hein? Merci. Pierre-Richard, c'est la première invitation dans la télescopie? Non, ça fait deuxième invitation. Hein? Et surtout, nous sommes concentrés sur le même service là, mm-hmm. pour nous bailler les gens qui sont asilés, les gens qui sont réfugiés, qui ont des statuts, pour nous toujours mettre au courant de ça, nos services que nous offrons dans la communauté. Que vous avez droit pas au courant aujourd'hui. Bien. Vous voulez parler un petit peu de Azure College, by téléspectateurs ont été aperçus, sous qui est-ce nous y est, et bon, évidemment, les services que nous offrons. Azure College, c'est un collège vraiment dans la communauté à qui vous avez droit plus que connaître, sur base de ta affaire d'infirmière, de bail sur santé, comme si pour études. Mais nous-mêmes, tant que moi-même, c'est un assistant programme directeur qui offre service. Qui concentré seulement vraiment sur réfugiés à ce service-là. OK, d'accord. Donc, Azure College, c'est une institution éducative, si je peux dire comme ça. Exactement. Et oui. Puis, donc, il y a un programme que nous gagnons, Azure College, c'est un programme pour réfugiés à Casilia. Et ça même. Très bien, très bien. Bien. Sûr. Alors, Karine Auguste, parlez-nous de Centla. Moi-même, c'est Karine Auguste. C'est ma première fois. C'est habitué, c'est petite Kaila. Et ma redit téléspectateur, bonsoir. Et moi, j'ai quelques jours, je vais vous porter une petite parole pour nous. Je suis content avec nous aujourd'hui. Comme nous connaissons, moi, je travaille dans ce centre-là. Et c'est moi-même qui directeur Community Involvement Program. Et c'est moi-même tout qui gagne relation entre Mediao et ce centre-là. Bon, comme nous tous déjà connaissons tout le travail nous fait dans ce centre-là. Et si nous avons besoin de plus d'informations, je vais vous donner des trois. Nous avons pris nous dans 305, 573, 48, 71. Et donc, je vais passer Pierre-Richard. Conna. Bien, c'est Guy Gérard. Ah, Guy. Guy Gérard. Pas de problème, nous avons nous combiner aujourd'hui. Ah, oui. Pierre-Richard, Guy Gérard et Karine. Pas de nous combiner. Alors, Guy Gérard, ou même vous travaillez dans International Rescue Committee. Parlez-nous un petit peu de organisation ça et puis qui ça nous fait, qui service que nous offre. Bon, moi c'est Guy Gérard Gachelin de International Rescue Committee. Moi c'est un programme spécialiste pour et un programme que nous qui est le Match Grant. Mm-hmm. Programme ça concentré vraiment sur haïtiens avec cubains. Bon, population Amérique latine, non? Haïtiens inclus là-dedans et nous aider mon jeune travail parce que gouvernement gagne programme ça, il comprend que gagne besoin dans la communauté. Hein? So nous capote information ba moun yo pour connait qui gens pour gagner accès à tout service que nous gagne dans programme pour ça camper sous deux pieds parce que le fait venir yo pas gon paquet de bagages que yo pas connait. So nous même nous là pour nous aider yo et pour yo ka venir indépendant. Très bien, très bien. Et donc là nous dit le moun yo fait venir comme ça, nous connait insister sur ça dans introduction et nous chaque là nous insister sur les tout. Connait on nous définir pour téléspectateurs yo qui groupe ça que n'a parlé le aujourd'hui, hein, groupe ça peut nous viser. Moun qui gen désignation réfugié ou bien asilé. Hein? An nous expliquer, t'expliquer un petit peu plus, qui ça veut dire pour que moun konnen a qui est n'a parlé. C'est vrai? Donc, si vous voulez commencer, Guy Gérard? Bon, pour nous, nous gen, premièrement, nous bay service à asile, asilé. So, le haïtien entre ici avec un statut d'asile politique. Department of Homeland Security bay un code I-94. Et puis, il y a un step sur lui qui dit que nous bon asile indéfiniment. Ça veut dire que le pape expire. D'accord. À partir du moment de date que vous avez asile là, ou gain 1 an 11 jours que vous ca obligé tant avant que vous ca faire application
pour qu'il y ait une résidence. Oh, donc, une fois qu'on a un statut asile, là, dans un an, enfin un jour, depuis date ça, ou capable ou éligible pour venir gagner une résidence permanente. C'est-à-dire pour gagner une green card ou bien pour venir. Comment résider. Pour résider, c'est ça. Exactement. Très bien. Mais il faut que l'asile comprenne que leur entrée ici, le gouvernement a accès pour gagner un paquet. Et bénéfices. Exactement. Ce qu'on n'y a pas qu'on bénéficie, c'est nous-mêmes nous là pour nous aider, pour ça comprendre. Nous pas besoin peu. Service là, c'est pour nous accéder à eux, pour que nous puissions avancer. Parce que le gouvernement lui-même, il a une responsabilité. Il n'a pas voulu que nous entrions dans le pays, hein, et puis pour nous rester sous dol. So, c'est l'avantage lui-même pour nous, pour l'aider, nous, pour le bas nos services. Pour nous camper sous deux pieds. Exactement. Ce parti, ça, c'est nous-mêmes qui travaillons avec Asileo, pour qui j'en que nous puissions aider, jouer un travail. À l'école, qu'on t'y cache la main, aider aux jeunes services gouvernement bail pour que adapté à payer et puis avancer. Pourquoi? Très bien, nous prenons entamer type tout service que offre yo. Même voulez que quand même nous clarifier pour téléspectateurs yo, monde qui gagne, enfin tout ça nous capable dit pour comprendre statut légal ça qui est les asile politique ou bien réfugié. Hein? Oui. Donc encore une fois nous connaissons une époque dans la communauté 1, en pile monde, surtout après Carter, c'est président Carter, si je ne me trompe pas, qui venait avec législation qui créait le programme réfugié, si je ne me trompe pas. Oui. Hein, donc à partir de là, il y a pile haïtien qui vient gagner statut ça sous Carter. Et puis donc, qu'on y a un, même jeune aujourd'hui, bon, faut le citoyen. Hein? Oui, n'est-ce pas? Bien sûr. Donc encore une fois, pour nous reprendre, monde qui gagne statut ça, il a gagné un an, un jour, pour commencer à faire demande pour venir résider, enfin, pour avoir un legal permanent resident, ou bien green card là. Et sur 5 ans après green card là, il y a un citoyen. Oui, c'est vrai? Maintenant, dis-moi, ou bien expliquez pour les spectateurs, yo, dans combien de temps qu'on y a un monde ça, qui a un statut réfugié ou bien asile, dans combien de temps que le capable prendre avantage de tout service que nous avons parlé? Bon, majorité des services que nous gagnons dans la communauté a, que nous offrons, il y a toujours un don pour gagner at least moins que 5 ans. Pour gagner moins que 5 ans dans le pays, ça veut dire que vous êtes éligible toujours pour participer pour jouer un service. Par exemple, là où on a parlé de réfugiés, non seulement que vous avez un an, il faut qu'il y ait un SOA, il y a un son monde qui est juste appliqué seulement. Ça veut dire que vous êtes asile, vous êtes appliquant. L'on applique à normalement y a bon type un petit papier on lit juste fait tant moitié page si son I-589 lié si I-589 ça dit là automatiquement gouvernement reconnaît que ou appliqué pour asile là. D'accord. Le moment appliqué pour asile là ou attend ou still éligible pour jouer un service ça dans l'autre statut encore qui qu'on y a presque pas c'est ta statut de parole là parce que gen moun que l'or est rentré ou qu'on est longtemps puis là nous on voit dans quoi mais puis tout bon de là il a fait des marches et puis tout qu'on a une bonne parole qui permettent qu'on de pour quantité de temps pour faire toutes des marches pour des papiers clairs pour capable venir joindre bon statut vous comprenez mais tout temps ça qu'on de yo then ou a fait toutes des massages même si que son asile ou hier a déjà dit ou approuvé ou soit que son monde qui était appliqué seulement ou soit que Jean Abdoulah là était là go pour te faire des démarches pour qu'il y ait opportunité pour renouveler encore passer son parole ou gain so, tout ça yo c'est là qui mettait groupe réfugiés ensemble. D'accord. On unit pour comprendre pour nous garder avec meilleur alors pas Karine qu'on a besoin de ton bagage mais qui te demande nous rapidement. Est-ce que nous remarquons une distinction entre population qui a bail statut ça, c'est-à-dire statut asilé, statut réfugié, mais on nous pas rentrer dans parole, OK, dans parole. Okay. Est-ce que il y a une différence entre communauté ou bien peuple ou bien nation qui reçoit statut ça? C'est plus non. Que bien avec haïtien qui gagne okay. Ou qui gagne asile avec réfugié status. OK, vous devez ajouter un bagage. Oui, je devais ajouter que je devais ajouter sur ça guise tout dit et on monde pas obligé pour faire asile politique ou pas obligé c'est Haïti ou faire. C'est pendant ici ou qu'a faire. Mais ou qu'a faire tout. Mais faut pas quitter ou gagne un an passé date où tu rentres ici. OK.
Parce que ou style qu'a fait après un an, mais il va poser en pile question. Oui, il va demander ça t'attend depuis tout le temps ça. Yes. Si une situation qui est tellement chaud pour qu'il faut obligé quitter pays ou demander asile en l'autre côté, comment faire attendre tout le temps ça avant de demander ça. OK, très bien. Okay. Alors c'est ça tu voulais faire comme ajout. OK, très bien. Vas-y. Majorité des fois, ils ont encouragé tout le monde à faire application en famille pour asile. Donc, il y a un papa qui fait application pour asile et puis recevoir et à Bouvali. Il y a madame petite en Haïti. Ils ont fait un paquet de temps, ils ont quitté l'année en passé, ils n'ont pas jamais fait madame petite entrer. C'est parce qu'ils n'ont pas compte ça. Ils n'ont pas compte ça. Donc, pendant un an, ça, c'est pour faire toutes les démarches possibles. Parce que yo gonba ki le petitioner moun ki ka mande pour reste famille ka fait demande exactement son moun ça ka fait demande pour moun ki en Haïti yo nous même n'encourager que pour entrer en famille parce que on va recevoir plus bénéfices en famille mais si par exemple pour une raison financière que pa gen kòb ou pa ka payer pour faire application pour tout moun ou vle faire pour kontou capable mais pas oublier que pas quitter un an passé pour pas faire exactement avant qu'on fait moun ça rentrer parce que le très important après un an il y a plein de difficultés pour y entrer donc pour qui ça que y en a toujours tout le temps ça exactement donc ça veut dire que la situation pas aussi grave côté dien très bien n'a pas répété et c'est bon que de répéter ça c'est peut-être oui et bien sûr tout le monde comprend avantage si quelqu'un l'a fait comme ça tout automatiquement on dit si c'est son maman son papa qui t'est rempli qui t'est fait demande là statut ça automatiquement vient joindre petit là qui en Haïti automatiquement tout bah ça retrouve ambassade en Haïti pour contacter mon famille pour lui-même pour capable rentrer venir joindre l'autre membre bon ici alors me fait spécifier que le monde en fait application pour asile alors les fin gain asile là ici donc qu'on y a veut rentrer mari ou bien petite là ou bien madame là le fait application les féliciter les pour recevoir une lettre approval qui dit oui ou approuvé application donc c'est après lettre ça que c'est immigration même a envoyé demande là aller tant que c'est haïtien ou a envoyé là aller pour au prince et donc yo même il a contacté mon là il a contacté reste contacté reste famille en Haïti d'accord ouais donc son process qui pas tellement on monde pas veut pas besoin dit que son bail qui difficile on pas pour le faire donc de pour fin gagner ou l'appliquer pour ou faire lettre là envoyer mandé en asile pour l'autre famille yo il fait automatique c'est ça alors yo toujours dit ça pas connait plus grand passé bagaille non pas c'est pas un processus qui compliqué c'est pas un processus qui gont paquet bagaille là-dedans mais là pas connait il semblait que l'impossible. Ouais, et justement, Wall nous là aujourd'hui, hein, c'est pour encore une fois expliquer population, expliquer communauté, hein, qui ça qui gagne derrière de bénéfices ça, de statut ça, et puis une fois qu'on gagne, qui service que l'État américain garantit essentiellement, n'est-ce pas? Donc quittez-nous pour une première pause et puis là nous retournons, nous allons entrer dans justement dans type de service ça. Okay. D'accord. Donc à tout de suite téléspectateurs, après première pause. Make a difference, dear. No more.
L'État de la Floride offrit une assurance de la santé qui couvre les gens depuis au fait Isler au 18 ans, même si tous les parents n'ont pas de travail. Florida Healthcare couvre diverses qualités de services médicaux, soit sous visite à docteur, l'hôpital, à tout cas d'urgence. Centre-là, le Chenebot Center, invite tous les parents haïtiens à prendre avantage assurance de l'État Florida Healthcare. Passez dans 5000 Biscayne Boulevard ou les 305-573-4871 pour réclamer une application. Assurez petit tout. The Children's Trust Helpline, comment vous aider? Petite fille a besoin d'un plus bon note l'école. Petite garçon a besoin de suivre l'exemple de monde que le respecter. Je ne suis pas capable de continuer à faire tête moi ça. Si vous la caillou, marquez 211. Si vous appelez dans un cell phone ou sur un téléphone public, marquez 305-631-4211. N'a écoutez, n'a comprenez nous et n'a aider dans n'importe problème ou gagné. 211, The Children's Trust Helpline. Tous les téléspectateurs, nous avons suivi l'édition Télescopine aujourd'hui. Hein? Encore une fois, je vais répéter cette dernière édition pour l'année 2011. Là. Donc, invitez-nous aujourd'hui. Hein? C'est une équipe solide, une équipe d'experts sur questions qui concernaient les gens dans la communauté qui ont un statut asile politique ou bien réfugié. La vraie réfugié politique, quoi. En tout cas, donc, invitez-moi encore une fois pour les téléspectateurs. C'est Pierre-Richard. Pierre-Richard Hyacinthe, Karine Auguste, Guy Gérard Gachelin. Donc, Mounsayo gain expertise et gain expérience dans le travail avec Moun qui gain statut ça et donc à chercher bénéfices, j'aime t'ab dire, qui réservé exclusivement pour la population ça. C'est vrai? Donc, en nous bas, téléspectateurs, on t'y aperçu de qui ça bénéfice ça y est, parce que je me tellement dit ça, j'ai l'impression que mon aptan que bagaille est tombé. Karine. Avant de commencer, je t'ai aimé et. Téléspectateurs comprennent, surtout les gens qui gagnent asile avec les réfugiés. Comprennent que le programme, ça, c'est un programme qui mettait pour n'importe qui comme ça. Donc, c'est un programme que le gouvernement mettait là parce que nous connaissons l'un venir. Nous ne venons pas avec l'argent, pas vrai? Nous ne venons pas avec rien. Donc, c'est un booster pour nous commencer, pour nous capables. Naviguer dans le système, non? Parce que c'est l'autre société qui va vivre là-dedans. Donc, c'est une façon pour faire un bon commencement. OK? Parce que, comme nous avons dit tout à l'heure, vous avez médiqué avec cash assistance, c'est pour 8 mois seulement. OK? Donc, tout l'autre bénéfice, vous avez un bénéfice qui est jusqu'à 5 ans. Tout le reste bénéfice, ça dépend de combien de temps vous avez. Mais pour médiquer spécialement avec cash assistance, c'est 8 mois. D'accord. Okay? D'accord. Et cash assistance, la quantité variée selon quantité de famille, les gens qui sont en famille. Les familles qui ont statut. Qui ont statut. Asile, bien. C'est ça. Très bien, très c'est bien. Ça. Alors, on continue à parler de type de bénéficiaires avant que nous rentrions dans la question. C'est confusion qui est en cas. Par exemple, il y a un seul monde qui a un statut asile et puis l'autre qui n'a pas gagné et puis il n'a pas connu justement qui bénéficie et qui service qui est disponible pour eux. Donc, continuez avec la question de travail. Qui, du point de vue travail, qui ça, justement, le gouvernement a mis sur pied pour aider Jean Abdian? On asile ou bien on réfugié campé sous deux pieds militaires. Bon, Gypsy, vraiment capable de dire, commencement, j'en dis à tout le monde qui rentre ici, de connaître premier bar là, c'est travail ou le travail. Oui. C'est ça, je dis comme ça, que le moment que vous avez un statut asile, là, fin qu'on est qu'on nous avons tout le monde à chercher dans l'arrière, comment vous allez faire dégager, pour vous rentrer en bagage, pour m'occuper de famille, mettre un petit cob là. Donc, là, première étape que vous allez prendre, vous allez derrière pour prendre quatre social sécurité. Parce que tout le monde ici, tout le monde, 4 sociales de sécurité, c'est avec lui, ou rempli pour un pauvre fait tout le monde. Quand vous avez 4 sociales, automatiquement, on connaît que là, vous avez rempli pour avoir un permis de travail. Parce que l'on fait venir, ou appliquer, ou son applicant, ou son asile, des fois, 4 ans, il faut là, les gens sont sous lui. Ils sont capables de tout indiquer que vous avez tout bon autorisation pour travail. Si vous avez autorisation pour travail avec 4 sociales, de nous capable chercher travail normalement mais s'il pas marqué il pas gagné soit sous lui
ça veut dire que automatiquement là ça veut dire qu'il y a plus pour l'appliquer qu'on est là pour capable joindre avantage qui gagne là à l'appliquer pour permis de travail là premier permis de travail là yo konn wave frère ça veut dire que yo pas chargé yo ba au gratis pour première fois yo konn même Jean Karine sort dia là ou pas gain cob ou fait venir ce qu'on est là pour capable déraper c'est ça qu'on joindre comme bénéfice qu'on est là fin gagne ni ou capable venir dans office tant que moi même là ou venir parce que faut que moi c'est sur employment. Ou vin jwenn nou, nou gen office la nan Little Haiti ya la. Lò vini, ou jwenn avec job developer nou gen nan office la. Ki spécialisé pou aide. Exactement sou employment pou kapab travay avò pou fò jwenn ki sa ko pwemèt peut-être gwo métier ko gen dwa gen nan mon lote Haiti avò rentre. Gen dwa des fois tout ou pat vraiment ko gran rien. Bon nou tout konnen ke tout moun gwo expérience nan bay quand même. C'est ça. Wali. C'est ça. So nou pa jam décourager au moun pou penser que ah parce que gen dwa ou fè ou pa konnen ke son expérience ke li ki applicable pour al travay sou li. Ou comprenn? Et nou gen toute qualité de travail ki dehors. Wali. Bon jan ou di la avec travail ou konnen ke ou gwo avenir demain. C'est ça. Wali. So tout moun ke vini, le pou jwenn 4 travay, ou gen 4 social, ou gen 4 anani ou pare, automatiquement là parler pour aller travailler. Très bien. Donc là nous Jean nous m'a répété après nous l'organ désignation réfugié ou bien asilé hein, gouvernement ba ou médiqué nous dit jusqu'à 8 mois li ba ou permis travail, ça fait selon enfin li autorisé au travail et le bon permis travail en tout, c'est vrai. Li mettait sous pied des services en cours pour là pour spécialiser pour travailler avec équipe pour ça pour aider au joindre travail. Hein? Est-ce qu'il y a un bénéfice qui a rapport avec l'éducation? Oui, oui. Sûr. OK, par exemple. Oui, alors n'importe nous. OK. Par exemple, il y a un programme qui est le SEVS qui Miami Dade là. C'est un très bon programme, les mêmes si n'importe monde qui t'a intéressé à l'école. Alors, on pas même besoin de monde qui était intéressé à l'école parce que mon haïtien connaît l'éducation depuis on rentre ici premier ça au chercher c'est l'école. Donc gagner l'ENC tout gagne plusieurs côtés qui bas qui fait mais si on mon intéressé si on mon venir ou attendre nous là qu'on y a ou besoin de plus d'informations ou mettre les nous tout dans centre là ou bien nous pas quitter numéro monsieur et n'a pas ba nous plus d'informations n'a pas référer nous à un monde exactement pour nous aller et qu'a ba nous toute information et qu'a peut guider nous pour nous connaître tout si c'est dans si c'est une classe nous pas le point pour un an parce que yo gagne de et classe vocationnelle yo bail pendant un an alors métier moun capable prendre métier c'est ça donc mais nous connaît fon point isol lave okay. Donc avec refuge avec statut réfugié ou asilé hein, gouvernement a payé pour aller l'école pour apprendre parler anglais oui enfin oui. Il semblait que l'état d'intérêt pour le faire ça donc ou apprendre parler anglais ou apprendre un métier sous si c'est sauve les faits est-ce que service mes programmes là offre assistance académique tout pas vraiment assistance académique yo offre c'est plus c'est the college English College Academy college so li même parce que si pour aller dans collège après pendant ou dans programme ça ou gen doit appliquer pour financial aid. Okay. Ouais, mais plus ça au focus sur lui c'est sur un en vocation et béti pour faire apprendre métier. Donc il y a ba ou temps pour apprendre parler anglais oui. Et puis il y a edo dégageo apprendre un métier. Oui. Parce que rappel au gypsy yo gagne bénéfice ça pour jusqu'à ce que yo gagne 5 ans. Okay. À partir de 5 ans un jour pour dégager. À partir de 5 ans un jour, yo pas responsable bon encore. C'est ça. OK. Donc à l'intérieur de 5 ans ça tes spectateurs faut dégager nous si nous gain statut réfugié ou bien statut asiléen faut dégager nous gain temps joindre médiquer nous au moins jusqu'à 8 mois hein cash assistance c'était dans cash assistance pour 8 mois c'était comme que ba pour 8 mois pour 8 mois et pour food assistance là les mêmes les limités jusqu'à ce que ou bien, à travail. Bien 5 ans. Non. Jusqu'à ce que ou à travail. Okay. Et ce n'est pas même ou à travail. Non, ça dépend de l'income et ça dépend de quantité de monde qui est là. Non, ça dépend de dépenses. Okay. Oui. Dépenses et size famille. Okay. C'est ça. Okay. Dimension famille. Donc, vous avez droit à venir là et puis ou à travail. C'est vrai que le gouvernement dit l'ICABA ou cash assistance, ou bien food assistance jusqu'à 5 ans. Mais soit travail mes amis ou tout son petit monnaie ou ca permet ou ca manger ou ca occuper famille gouvernement pas baou food assistance encore yes, n'est-ce pas donc l'important que nous dit ça pour que tes spectateurs yo pas comprendre que nous voulons dire que yo garantit
food assistance non jusqu'à 5 ans. Ou gagne jusqu'à 5 ans sous pas travail. Travail, oui. OK, mais soit travail, bon là, ça sont l'autre question, oui. OK? Donc l'école c'est pour apprendre anglais et puis pour apprendre un métier. Un métier. OK, donc sous intéressé à une idée depuis vous voulez lancer non programme académique pour étudier nursing, pour étudier pour venir professeur, est-ce que gagne booster dans question ça? Est-ce que gagne service ça? Oui ou non? Ça chemin vous prend avec ça, ça essaie au monde qui a plus participé dans reverse programme. OK, donc il existait. Ça c'est lié existé. OK, assistance avec reverse il existait parce que là au niveau anglais qu'on arrivé automatiquement ou là apprend dans l'autre domaine ça yo. Vous comprenez? Faut qu'on capable lire à un niveau, faut qu'on capable écrire à un niveau parce que tout ça qu'on a fait est dans niveau que capacité à lire pour yo capable voir que bon avec évaluation ça soit capable. Okay. Et ça fait que l'on fin pour anglais pour mettre dans point ça yo. Yo bon on college entrance test, ça dit ça que yo le CET, CET a c'est college entrance test ça qui permet que ou ka rentrer dans collège level dans programme qui est à niveau collège normal. Okay. Bon ici tu comprends? Okay. So ou commencer dans reverse là qui still dans Miami Dade là puis de Miami Dade dans reverse là ou prend niveau anglais ou assez ko konnen ko solid yo test yo e ko bon then ou participer dans programme professionnel. Et si oui Guigera, vas-y. Bon pour renforcer ça dit hein, pour renforcer ça nous tous les deux dit c'est que effectivement yo gon une information que yo pa konnen. Le monde entre par exemple ou gen doit prendre information de base li bon toute histoire li d'Haïti ça te kon faire qui classe li fini. Mais gon paquet moun ki pa ko fin faire étude en Haïti que yo pa ko faire philo. Le entre ici tant qu'ou dit premier bail pour faire pour nous retoucher sous bail yo carte sociale là. Yo gen pour faire carte travail là. Ensuite kounye yo ka commencer chercher travail, yo ka faire Medicaid, yo ka appliquer pour Medicaid, food stamp, cash assistance. Mais yon la bail que moun ki pa ko fini et l'école en Haïti, yo obligé commencer par isol là, yo obligé prendre anglais dans tout niveau dire que faut yo arriver au niveau que yo gon capacité pour ka continuer. Mais kounye là pour aller au collège, mais faut ka prouver que yo gon high school diploma. Oui. So kounye à cause de l'âge mon nan doit pas aller à high school, c'est ça qui fait que yo gen programme di c'est ça. So l'offin rive dans toute étape ça yo fini anglais de base yo. Kounye on doit prendre test pour passer GED parce que l'on gen papier GED là mon l'équivalent à un papier high school. C'est ça. Mm-hmm. C'est ça qui permet tout aller en collège. Kounye on l'a besoin dans collège, faut qu'a montrer que win définir high school ou bien win go équivalent qui GED. Mais tant qu'on pas prendre ça ou pas qu'on arriver dans niveau ça. Est-ce que à l'intérieur de désignation réfugié ou bien asilé un monde qui est dans situation ça a bien moyen pour la faire GED? Mais bien oui, sûr, bien sûr, bien, oui, vous payez pour les très bien. Très bien. Ouais, donc encore une fois, pas de raison pour mon rester là, pas faire rien. Et additionnel que m'a rajouté, ça c'est dans mon qui pas arrivé j'en dis à ce coup là et l'autre est fini dépasser. Ou te gen droit ton ingénieur en Haïti, ou te gen droit un docteur, te gen droit ou pas ka pratiquer ici. Yo gen programme tout qui s'il paye, wali que lui même son career ladder programme, wali ça là que pour capable pour une étape dans carrière qu'on te gagne en Haïti pour là yo ou faut rentrer dans programme ça là on va faire évaluation yo va traduire document qu'on gagne tout relevé de notes l'école on comprendre pour évaluer pour connait combien de crédits collège que yo va ba ou et puis tout qu'on là pour capable faut rentrer dans même domaine encore de même domaine par exemple sous tu es un docteur yo pas dit qu'on va le docteur mais on s'il capable rentrer dans même département de santé pour capable prendre un bagage de là pour développer prendre expérience qu'on besoin et puis tout qu'on là pour capable rentrer dans l'école normale. Alors pas l'école normale, alors former professeur l'école mais professionnel pour continuer sur même profession pour être sur un domaine qu'on peut gagner la caillou. Et ça qui est intéressant c'est que pour translation non c'est eux même qui payent. Ah, oui, okay. Traduction pour traduction évaluation pour lever de notes ou avec note évaluation. C'est okay. Alors qui ça fait yo mandé pour faire l'école là et oui, transférer directement. Donc le ça yo ici Miami Dade ni BCC yo même yo plus intéressé monde pour porter document dans
songer adresse là. C'est ça. Oui, mon travail là depuis quelque temps fait travail. Ouais, ouais. Donc c'est besoin qu'on ait. Avantage OK. Réfugiés asile boy, c'est un y a pas de chiffre. Mais ça fait Joseph Silnio déjà bien connu parce que quelqu'un doit fin faire tout travail ça là, il y a un document ça. Sous quitter Floride ou ça va dans l'autre état pour comprendre aux États-Unis. L'estil reconnu ouais les sacs fait que pas vle rejoindre nos services et puis tout l'arrive de l'autre côté qui pas oui on parle pas là encore oui, c'est peut-être ça que nous toujours servir avec Sauveur Sidney pour faire travail ça c'est très bien donc on va aller prendre deuxième pause là on a fait un petit ramasser les spectateurs donc nous connaissons que dans programme pour asile avec réfugiés ça yo gouvernement permet tout joindre un petit food assistance cash assistance Medicaid GED ou bien ISOL et même sous une capacité ou aller premier évaluation diplôme académique ou et puis sous gain temps tout bagage ou même commencer dans collège de pour gain moyen enfin pas moyen ou gain capacité pour aller prendre classe alors avant rentrer dans collège là il faut passer un test qui est si petit OK d'accord ouais donc ou pas obligé faire ISOL tout ISOL yo ou gain droit obligé oui ou pas obligé alors sous pas obligé donc sous préparer déjà oui donc il y a juste faut préparer et aller passer test là et puis ou aller directement ou aller enregistrer est-ce que l'on enregistre dans collège ça comme ça gon moun là qui ca aider ou guider ou pour dire OK mais ça pour faire mais comment pour faire mais qui côté pour aller est-ce que yo gain assistance particulière ça avantage que nous gain tant que moi comme mon petit en plus familiarisé avec tous les deux ni Miami Dade College ni Broward College ou gain registre là ça dit là aller dans admission yo connaît yo au courant de type de classification monde ça population ça yo so yo gen moun ki tout déjà là pour qui aider yo ouais li sa dire que moun n'a pas les créole ou comprendre li capable bon direction et puis tout dans même gens ça tout l'or fin ma là ou fin tant que Jean Karen dit là on si petit ou gen dire m'tande si petit m'tande si je pas comprendre parce que college placement test ça dire que pour yo placer dans niveau courrier parce que par exemple sous pas li a un niveau et au besoin prendre telle classe faut que yo mec soko prend classe pour qu'il prépare pour aller prendre classe qu'on veut pour capable réaliser son besoin faire on prend sur gen moun qui placé spécifiquement même pour ça pour aider guider pour capable joindre son besoin faire très bien donc sur ça quitter dans le deuxième pause et puis là nous retourner n'a continuer pour en détailler question un petit peu plus pour les spectateurs yo donc comme c'est dit deuxième pause n'a retourner tout de suite. L'État de la Floride offre une assurance de la santé qui couvre les témoins depuis au fait un Isler au 18 ans, même si tous les parents n'ont pas de travail. Florida Healthcare couvre diverses qualités de services médicaux, soit sous visite à docteur, l'hôpital, à tout cas urgence. Centre-là, le Chenebot Center, invite tous les parents haïtiens à prendre avantage assurance de l'État Florida Healthcare. Passez dans 50-00 Biscayne Boulevard ou les 305-573-4871 pour réclamer une application. Assurez petit tout.
The Children's Stress Helpline, comment m'ka aide yo? Petite fille besoin d'un pi bon note l'école. Petite garçon besoin suivre exemple yon moun ke le respecte. Mwen pas capable de continuer fait tête moi ça. Si ou la caillou, marqué 211. Si ou aprele dans un cell phone ou sinon yon téléphone public, marqué 305-631-4211. N'ap koute yo, n'ap comprend nous et n'ap ka aide yo nan n'importe problème ou genyen. 211, The Children's Trust Helpline. Télescopie aujourd'hui, hein, n'a parlé de services et programmes qui existaient pour aider moun qui gen un statut asilé ou bien statut réfugié bon ici là. Et tout autant que moun yo pa gen plus que 5 ans ak statut ça, yo gen accès à tout un série de services que nous tout décrit là, pas vrai? Donc pour répéter encore une fois parce que moi même répéter, je voulais que les spectateurs yo comprennent et moun qui comprennent déjà yo, excusez-moi. Si m'a répété dans les oreilles nous, mais c'est pour permettre que tout le monde comprenne. Donc nous dit que avec statut réfugié ou bien asilé, hein, moun gen droit, gen accès à l'école, moun qui déjà gon niveau professionnel, y a fait évaluation diplôme ni pour mettre le sous bon rail, qui pour permettre de continuer enfin branche qui qui t'est intéressé là. Moun gen accès à service médical ou t'es dit? Le service médical, oui. On ne pas couvrir ça avant. Ah, ok, d'accord. Donc, allez, vas-y, on va tout couvrir service médical. Un service médical que nous gagnons, département santé, par tout le monde qui gagne asile, on analyse médicale complète, dire les health assessment. Okay. Health assessment, là, on entre dans le pays, on gagne seulement 3 mois, 90 jours pour faire. Après 90 jours, on n'est pas obligé de payer l'encore pas. So, le gouvernement a bon, 3 mois pour chercher un centre de santé. Pour le faire, gratis. Quand on vient, il fait toute analyse médicale pour tension, sucre, pour un X-ray, il bon, bah, y a les PPD pour tester pour si que vous avez des bactéries et tuberculose dans le poumon. Il y a tout le bagage. Quand on vient, il y a même bon, 4 vaccinations qui documentent, mais ça a été fait pour mes services. Il y a pour bon rendez-vous pour faire follow-up, pour retourner jusqu'à ce que vous complétez l'assessment. Donc, okay. So, vous avez 90 jours pour faire. Et puis bon, 90 jours après que yo bo so réfugié ou bien asile. Exactement. On va regarder 90 fois là pour so a gon date là dedans. De date ça ou gen 90 jours pour aller au département service. Exactement. Mais pas qu'on est si tout département santé obligé pour rendez-vous. Tant que l'on bureau nous relais, nous pour rendez-vous pour mon nan, yo ba nous on date avec on l'heure pour mon aller nous ba nous référal. Alors, ça qui bien peut-être non dans service qui existait pour monde qui gagne asile ou bien monde qui gagne monde qui réfugié, c'est que tout côté où aller pour service ou un monde qui pas accompagner ou cap coordonner service là pour cap aider ou gagne accès à tout son besoin. Donc si ou pas jamais rester comme ça pour pas comme ça pour faire, faut toujours joindre un monde qui fait rendez-vous en pour si c'est ça qui nécessaire. Exactement. Ouais. Donc c'est bien qu'on mentionne ça parce que justement son bel avantage parce que monde n'a pas pour compte lui. Oui, il très cher. Tout appui. Yeah. Tout support qui est nécessaire pour permettre les alors pour continuer et faire tirer ramasser sous question service là nous dit service santé un health assessment nous parler de cash assistance nous parler de food assistance nous parler de Medicaid jusqu'à 8 mois c'est vrai nous parler de apprendre parler anglais hein après à apprendre au métier hein métier et justement oui et si par exemple tu commences dans une branche professionnelle une branche académique eh bien il y a permettre d'évaluer
justement cototeyé qui point koyé par rapport au système américain pour permettre de continuer dans branche ça si c'est ça qui intéresse ou. Oui. Est-ce que bien ramassé? Bien ramassé. Un bagage qui très important que le fait que tu dis Medicaid qui fait me changer ou pas obligé de Medicaid pour aller dans le département de santé. OK, très bien. Même très si que beaucoup fait application Medicaid là, ça sont bagage qui complètement à part, c'est pas à cas docteur lié, c'est département de santé parce que gouvernement lui-même il a une responsabilité publique. Pour mettre sûr que tout le monde qui entre dans le pays en santé pour pas affecter l'autre monde qui déjà réside dans le pays. C'est ça. Donc, so, pas obligé gain Medicaid. Okay. Le moment que vous entrez, vous gain SOA, vous allez, il a fait tout bagage pour. Après vous gain Medicaid, pas gain problème. Si vous déjà gain, merci bon Dieu. Mais si vous pas gain, il y a still well. Exactement. Très bien. Mais kounyen, pour moi gain accès à tout bel service ça yo, qui document que vous devez présenter? Bon, premier document que vous connaissez, j'aurais nous dit, vous venez avec un bagage n'importe forme qui déclaré ça dit immigration baoul même. OK. Well, et ça c'est I-94. I-94. Ou rentrer de pour rentrer au Boyon. Yo mette soa sous li qui marqué que son asile ou approuvé ou genre de dia sous que yo te bon autorisation pour travail ou pour indiquer après le marquer tout. Well, de là ça est première forme là. Deuxième forme genre a ou gen un 4 travail. Well, avec 4 travail ou de nous connaît connait là ou gain accès pour le travail qui a ajouté sous document qu'on gain déjà ou gain doit pas gagne 4 il faut ça que pour montrer que ou approuvé pour asile immigration comme bon lettre asile même qui marque que lettre asile approval sont avec ça tout encore ça c'est document qu'on a présenté toujours mais alors oui sorry et me voulais ajouter dans lettre approval là. Par exemple, gain deux fois le monde a fait application, il fait application, il fait interview. Donc il dit il a voyé une lettre pour lui par mail parce que il pas dit c'est pas même côté sur fin fait interview, il a dit OK ou gagné. Alors si c'est ici ou hier, pas vrai? Il pas dit la même que ou approuvé. Donc on attend dans moins de 30 jours, bien ça dépend et de qui côté qui sous dossier donc on va recevoir lettre ça maintenant lettre ça par exemple il y a deux monde qui connent recevoir une première lettre qui de tentative OK, première lettre on peut éliminer c'est un comme yo poko fin travail sous dossier mais vous voyez du OK ou approuver en attendant donc yo pral voyer en définitif approval pour so dans lettre ça tout yo gagne toute information première page là dit OK you are granted yo bon toute information ça yo deuxième troisième page là yo mettez tout bénéfice ou éligible pour lui. Okay. Et certaines fois, vous mettez information qui côté ou carré pour joindre. Alors, c'est là que je voulais arriver parce que justement, j'ai l'impression que c'est là qu'il y a un problème, particulièrement avec réfugiés et asilés dans la communauté haïtienne. Dans la communauté panyol, j'ai l'impression qu'il y a tellement un réseau d'informations. Et ce n'est pas un réseau d'informations seulement. C'est tellement que vous passez par le même processus là que tout connaît. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde du côté communauté cubaine qui passait par processus asilé ou bien réfugié ça. Donc là arrivé la carrément comme cousine moi, comme frère, comme sœur, déjà connaît processus ça donc m'ka aviser. Tandis que dans communauté haïtienne là, c'est pas tout le monde qui passe, pas gain autant de monde qui passait par même processus là. Donc on doit arriver la carrément encore une fois comme frère, comme cousin, m'gain doit pas connaît. Ça veut dire leur gagner désignation réfugié ou bien asilé. Donc on pas ka bon conseil. Donc ceci dit que une fois que mon nan gen lettre approuval ça peut recevoir, est-ce que lettre ça indique le tout côté que le ka aller justement pour le joindre pour gen accès à bénéfice ça yo. Li balan pile information. Que gen doit pas comprendre. Que gen doit pas comprendre. Et non seulement gen doit pas comprendre, pa gen moun tout ki tant que moun ki nan environnement, tant que moun la kayli, dit ah, ou pas besoin nan ba l'état, pas le point bénéfice l'état. Ou connaît gens haïtiens tant que yo proud yo pa pa c'est tant que yo pa demander pour yo c'est demander yo pa demander et non c'est pas demander n'a pa demander parce que j'aime so di nous avant c'est un programme qui là pour aider nous commencer yo qualifier pour l'idée nous qualifier pour lui donc et fait yo gain programme ça parce que c'est pour mon femme mon qui te voué chercher avec résidence c'est déjà connait pas une préparation qui là pour et justement dans gouvernement responsable pendant 5 ans. Pendant 5 ans. C'est ça. Ah, c'est ça. So, dans le critère, ça, normalement, ouais, des formes, ça, toujours mettre que, mon, t'as qu'on a pas immigration, puis qu'à dire que bon,
aller dans legal service, ce soit aller dans FIAC. Vous comprenez? Il y a un pour employment, il mette que ça de Florida Workforce. Et puis il y a tous différents offices qui pour statuer ça. Vous comprenez? Pour santé, il y a un métier qui est département de santé publique, mais côté lié et puis tout le monde. Donc, normalement, pas d'elle, je vous dis, information là, on ne doit pas comprendre. Des fois, il y a tout ou pas qu'on est qui direction pour prendre. C'est là, nous-mêmes, dans la communauté, comme nous là nous connaît des informations ça eux connaît yo pral aller dans centre là a dirigé a bailler guide yo aller tel côté yo vinn côté pour emploi capable guider bon référal yo aller tel côté pour tel service ça veut dire que nous là nous mêmes c'est place nous mêmes nous pose nous placer pour nous capable bailler information ça yo parce que eux mêmes yo bailler papier et puis tout des fois pas connaît pas comprendre ni tête ni pied non ça qui écrit dans document ouais et encore une fois c'est ça qui fait que il y a plein de monde qui dit que yo servi beaucoup plus de cubains dans service ça que haïtiens. Oui. Et raison simple c'est que en général on ne pas connaît. M'a bon c'est un petit exemple, imaginez bien. Et ça fait des fois le gouvernement établit programme ça. Li gen temps prévoir gen des questions, gen des problèmes nous ka gagner, mon n'a pas connaît pour demander. Ou gen doit venir côté là ou dire ça que ah bon besoin de travail, moi faut joindre travail là qu'on est là. Ou bloqué ou dit bon m'pa gen côté pour me garder ti moun non m'pa gen garder m'pa connait ça m'pral faire nous gen temps finement des questions ça déjà gouvernement gen temps plaçon bagage déjà pour connait qui j'en pral aller do pour jeune ça ça son notre service tout autant que ça là service à appliquer à bin joindre autre très bien très bien so c'est au même là ou bloqué nos situations mandé au monde ou déjà connaît qui dans domaine à chercher connait direction parce que par exemple souvini là pour emploiement et puis tout connait la travail avec même groupe population non poser question poser question mais tout confortable mander question tout ça c'est ça et non cadre poser question me voulait que tes spectateurs bien comprennent que parfois ou mandons information en côté et puis moun nan pas bien informé hein li bo en moitié information yon semi-information, demi-information. Donc, c'est soit que, enfin, ou on commence à zéro, ou bien on senti que bon, ou pas intéressé à entrer là-dedans. Jean-Karine se dit là, et type de programme, ça enfin, c'est tout le monde qui a cherché en l'air, mais on même vous joignez à tête. Ouais. C'est vrai? Donc, encore une fois, l'entrée dans le pays comme réfugié ou asilé, gouvernement américain senti que bon, responsabilité vis-à-vis ou même que l'accordé statut ça donc il bon 5 ans pour edo camper sous deux pieds. Oui. C'est vrai? Oui, donc camper sous deux pieds ça veut dire tout service que nous sommes allés là yo et peut-être d'autres ressources parce que je suppose que nous même dans centre là service income tax là depuis qu'il y a réfugié asile qui besoin la bail c'est gratuit même gens qu'on offre là tout l'autre monde et même service parenting là. Oui. Ouais, donc oui. tout service tout programme, toute activité, toute initiative qui a aidé mon nan comprendre côté lié pour le maximiser toute occasion que il gagne dans société ça, me supposer que c'est ça nous tout voulons. Oui, oui, et avantage qui gagne Jean Rodiala, Jean reçoit ça son concentration lié pour ça veut dire que c'est pour ça spécial ordinaire. Ou ka imaginer bien l'office dans office pour un travail. N'a pas ce travail, c'est pour groupe réfugié seulement et pas pour toute générale population, pas de rentrer au vin. Non, ça veut dire que m'gen doit travail là pour moi dire que non, pas ca bay américain, vénézuélien tout le monde. Yo gen l'autre côté, on ca aller là c'est la caillou, c'est pour oulier et pour vin prendre nan men nou là parce que nous concentrer pour nous bailler au service à eux-mêmes. C'est bien content qu'on fait point ça parce que ça peut être aller directement à commentaire que Karine tout fait là comme quoi gan pile moun ki peut-être peur ou bien gêné ou di a pa prendre service l'état parce que service ça pas bon au contraire c'est peut-être seule équipe immigrant qui est entré dans pays ça qui gain service spécial ça yo exclusivement pour yo n'est-ce pas parce que moun ki vient à résidence moun ki voye chercher madame yo petite yo sous base résidence pa yo pa gain accès à bénéfice ça yo et yo pa comprendre que leur vie de côté ou même cap desservi moun cap des servir réfugiés à Casile dans question chercher travail l'autre pour ne pas comprendre pour pas ca servir oui ça arrive tout le temps ouais ça arrive ça arrive tout ça arrive mais you know pas que d'aimer que yo comprendre tout c'est que nous n'a dit 5 ans c'est vrai que yo gagne 5 ans pour yo font paquet de bagages mais faut connait que c'est pas service leur commencer gagne accès à service service pas là pour 5 ans donc vous te dit mais dit que là exactement pour accéder le weekend là c'est juste 8 mois tout bagage gagne temps pas yo mais en attendant qu'on fait ou gagne 5 ans pour gagne accès à lui
C'est ça. Il faut comprendre ça. Parce qu'il y a des gens qui disent ah, mais je suppose que vous me dites que là pour 5 ans. Et puis, il n'y a pas de comprendre. Pour 5 ans. Ou bien 5 ans pour te dire. Exactement. C'est ça. Ou bien, il y a des gens qui pensent depuis que vous avez l'asile là, automatiquement, vous avez médiqué, vous avez tout bagage. Sans pas lever pied. Sans pas faire demande. Non, 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 non. Non, malheureusement, malheureusement. Et combien de gens dans la communauté, peut-être, qui quittent tout service ça a passé exactement ça n'a pas gagné accès à lui surtout question aller l'école là et nous pas mentionner transport on connaît que programme saves là by moon transportation justement de poisiller aux réfugiés au bord et yo même gagné si ou pas gagne machine yo ba quatre bus sous gagne machine yo bon gaz wow OK. Alors, il pas pral bon gaz tout pour tout temps ou bien pour monter descendre al flanne ou besoin oui. Al West Palm bon Beach gaz pour aller bon travail pour l'école. Et yo bay daycare tout. Oui, ou se pensionner ça. Bay daycare. Oui oui, yo bay daycare soit travail soit travail à l'école. Et sous asile avec réfugiés. C'est ça. Donc là, téléspectateurs, j'ai l'impression que me répéter bah ça 6 fois déjà, mais m'a répéter l'en 7e fois encore. Service que nous avons discuté là aujourd'hui, hein, c'est service qui existait exclusivement pour les gens qui dans pays, qui entrent dans le pays avec statut réfugié ou sinon asile. C'est vrai? Okay, donc, l'équipe Mounsayo sont équipe que le gouvernement américain estime que bien Mounsayo entrent sous responsabilité PAL parce que c'est lui qui baille au statut. Hein. Donc, puisque c'est sous responsabilité que moun yo entre, donc folie permettre que moun nan capable camper sous deux pieds. Et quoi ça veut dire? Ça veut dire balon ti médiqué jusqu'à 8 mois, bali cash assistance, bali food assistance et deli dégager à l'apprendre parler anglais et deli pour que li ka dégager apprendre un métier s'il pas gagne rien amène du tout. S'il te commencé l'école dans pays soit en Haïti ou bien Cuba ou bien quel que soit l'autre pays qui gain accès à service ça, eh bien il y a font évaluation de papier académique pour connaître côté lié de manière à ce que vous avez indiqué qui côté pour aller, n'est-ce pas? Et puis donc il gain 5 ans pour lui faire demande pour lui gain bénéfice ça. Après que l'en pays après 5 ans, il perdu tout ça, pas vrai? Donc ça veut dire pour me tester si vous n'êtes entré en 2000 en l'an 2000, li entré li gen statut réfugié ou asile. Jounen jodi nou en 2011. Est-ce que li gen accès toujours à bénéfice? Oh non, très bien. Non, mais pour 2011 li gen tan citizen. Oui, citizen déjà. Si pas citizen, c'est lui même qui va vous. Les li pa vle. C'est très bien. Donc là, est-ce que c'est son pause n'a prend, est-ce que c'est fini nous fini? Bon, là, et bien, je vais vous en finir. Wow. Donc, je vous remercie, nous, chaque, pour tant que nous passons là ensemble, penser que nous passons un bon moment et nous porter des informations qui sont très bonnes et très claires, je souhaite, pour les téléspectateurs. Donc, je vous dis nous merci. Nous pouvons mettre le téléphone ou même dans Azul College. Nous pouvons mettre Azur, je dis Azul. Azur College, nous pouvons mettre le sous écran. Ou même Pierre-Richard. Guy Gérard, nous pouvons mettre l'information International Rescue Committee sous écran pour que les gens soient capables de relayer nous, si vous êtes intéressé, si vous avez besoin de plus de détails, si vous avez besoin de ne pas répéter assez, si vous avez oublié de répéter pour une 8e fois, qui bénéficie que nous gagnons. Et certainement, nous-mêmes dans ce centre-là, nous sommes contents de faire ça, n'est-ce pas? Donc, merci en pile. Souhaitez-nous une bonne et joyeuse fête. Et puis, donc, l'année prochaine. Et si Dieu veut, nous peut rencontrer encore comme ça pour nous faire l'autre émission comme ça, justement, qui visait population, ça, population réfugiée et asilée. Yes, après, perfect. Donc, c'est ça qui te remercie nous encore une fois. Merci, merci. Téléspectateurs. Merci. Et puis, rendez-vous pour une prochaine édition Télescopie. Mille merci.
Thank you.